Ça en fait YouTube, je suis Suzucube et je suis super content de vous retrouver pour une petite partie d'In Versus. Alors, à ce moment, il n'est pas très cher. Alors, je me souviens même plus du prix. Je crois qu'il est à 5 euros ou 4,50 euros. En tout cas, il n'est pas vendu très cher. Et si vous aimez bien les jeux simples, vectoriels, multijoueurs. Alors, on va jouer du coup localement. On peut jouer en ligne avec n'importe qui, en ligne avec des amis. Je suppose que ça va nous dire encore plus de fun. C'est marrant que Nintendo a réussi à implémenter ça dans tous les jeux. Enfin, bref, localement en 1 contre 1. Je vous montre déjà le jeu en 1 contre 1. Alors, on va faire le premier niveau du coup. Et en fait, le but c'est que vous avez le carré qui est là. Putain, c'est vachement joli, c'est la première fois que je joue sur mon écran. Et votre but c'est de tuer l'ordinateur. Pour ça, vous pouvez utiliser vos quatre boutons pour tirer en haut, en bas, à gauche ou à droite. Moi je suis en noir, hein. Et vous pouvez circuler dans les zones qui sont à votre couleur. Comment j'ai fait pour mourir là-dessus? Voilà. Donc à partir de là. Attendez, ça se fait en manche? Putain, il accélère, il prend. Des points bleus vous donnent des tirs chargés plus rapides. Ah oui, d'accord. En fait, faut gagner 3 fois. Je suis pas dans la merde, moi. Voilà, vous avez vu, j'ai gagné. Enfin, j'ai complètement perdu. Va te faire. Mais comment il a fait ça? Cette fois, je me suis fait défoncer. Et en fait, là, vous voyez, autour, j'ai des points. Les points, ça représente mon énergie. What? Voilà. Et les points comme ça donnent des attaques spéciales. Mais quoi, j'ai pas fait 3-3 là? Je comprends plus rien là. Vous avez vu, l'ordi commence à être coincé parce qu'il a moins d'espace pour avancer. Du coup, son espace de jeu est restreint par rapport au mien. Ah oui, d'accord. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi ça veut. Ça continue sur le même niveau. J'avais pas vu ça. Donc, du coup, on va prendre le deuxième niveau, voilà, où j'ai jamais gagné. Putain. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ordi? Il fait genre des moves. La fin que je lui ai fait, j'ai tiré à droite avant de tirer vers le bas. En fait, je pense que je perds parce que j'utilise trop de munitions. Merde! Il n'avait pas bougé, j'aurais gagné. Mais non, mais. Putain, je suis dégoûté. Ah, il a tiré en même temps, putain. Voilà. Coup spécial chargé, ça pardonne pas. Putain, il a bougé. Que je laisse prendre ça. Mais j'avais mon tir chargé, putain. Ça.
Ah putain, c'est lui qui était coincé en plus à la base. Là, il a plus beaucoup d'espace pour bouger, hein. Comment ça se fait qu'il gagne alors que... Là, c'est ma faute, j'ai glissé. Ah, je vais préciser un truc, c'est quand même plus un jeu qui joue en multijoueur que contre l'ordi. Cela dit, il y a un mode de jeu qui est plutôt plaisant contre l'ordi. C'est le mode arcade que je vais vous présenter juste après. J'ai tiré vers le haut. C'est lag. Je suis coincé. Vu le nombre de super balles que j'ai, j'ai réussi à mourir. J'ai réussi à mourir. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est du coup le mode arcade qui est peut-être plus intéressant. Alors, dans le mode arcade, c'est simple. Vous voyez, vous avez les carrés verts là. Vous devez les exploser. Et en fait, c'est une espèce de mode survie avec des vagues. Vous voyez, plus vous en tuez, plus évidemment, il y a des ennemis. En fait, ce qui est intéressant, c'est que... Du coup, vous avez beaucoup plus de missiles. Évidemment, plus vous avez de missiles, plus vous pourrez... réussir à survivre puisque vous aurez plus de munitions. Ah, je pense que vous avez bien compris que je peux tirer dans les directions. Donc, du coup, là, j'essaie de manager ça. Et ce mode de jeu là est quand même, quand vous jouez seul, est quand même plus intéressant que l'autre. Bon après, faut accrocher au jeu. Je trouve pas mauvais honnêtement. Maintenant, ça reste entre guillemets un petit jeu quoi. C'est quoi les blancs? J'ai jamais vu de blanc moi. Ah mais ils sont dangereux en fait. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être de plus en plus... serré dans mon coin là. Alors on a 3 vies, ça c'est cool. Ah putain, je l'ai vu arriver mais... Alors je sais plus c'est combien le score pour le plus petit. Putain, il me semble que le plus petit score en plus c'est...
C'est vraiment dur. Ah non, c'est bon. C'était 10 000 le plus petit score. Et 1 million permet d'avoir le... Ah ouais, mais en fait, 40 000, t'es à 3, mais pour aller... pour 4 étoiles, ça monte vachement, quoi. Ah, j'ai débloqué plein de... niveaux. Vous avez compris ce que je fais. J'essaie d'enlever les blancs parce que j'ai vu que c'est les plus dangereux. Sans mauvais jeu de mots, hein. En fait, je trouve vraiment que bah, c'est les plus dangereux. Qu'une fois que tu les as retirés, en fait, après le reste, ça va. En fait, les blancs ils ont la capacité de modifier le terrain. Voilà, ils ont la possibilité de faire ça quand tu regardes pas bien. Attends, là il y a moyen de faire. Ah, il y a moyen de faire du lourd! En fait, ouais, c'est mélange de pas mal de jeux classiques. Waouh, putain, mais comme ils sont... Comme ils étaient pleins. Comme j'ai défoncé. Comme je me suis fait défoncer. J'espère avoir fait 10 000 au moins. Waouh. T'imagines, c'est... C'est 5 000 le minimum. Tellement ça a l'air hardcore. Celui-là il a l'air plus calme, tu vois déjà. Dès le début là, tu sens que t'es déjà un peu plus tranquille. Alors ça veut pas dire que t'es total tranquille non plus, quoi. Eh mec! C'est vachement dur, hein. Ah non, mais là je vais essayer parce que en fait, ah oh, putain, le niveau il se répète chelou. Du coup, en fait, l'espace de jeu est tout petit. Putain! Je pense que du coup, faut au contraire essayer de rester sur cette zone-là. Mais ils apparaissent, les mecs! Vachement dur, quoi. Et après, tu peux personnaliser la palette de couleurs, hein, donc voilà. La traînée. Les emotes. Parce qu'en fait, vous pouvez faire des emotes quand vous gagnez ou perdez. Et du coup, ça donne... On va se remettre en arcade. Voilà. À se remettre sur trou, il m'avait l'air plus simple au final. Vous avez vu, il y a une traînée derrière maintenant. Et du coup, les accents de couleur, vous avez vu, les trucs spéciaux sont rouges. Putain, comment je fais pour mourir dans ça, moi? J'ai l'habitude toujours mourir dans les pires trucs, tu sais.
Vous allez vite, vous. Talmos. Là, je vais mourir. Je crois qu'en fait, j'ai un don. Je sais toujours être à l'endroit où faut pas être. En fait, les rouges, ça, ça va. Plus dangereux, c'est eux, là. Voilà. Les rouges, je crois que t'en touches. Eh, en fait, ils meurent tous. En vrai, il y a plein de blancs là. Ah, oh, mais je les ai pas vus à droite. Putain, j'ai fait 2000 points. En vrai, je me demande s'il faut pas chaser plutôt. Comme je fais là, tu vois, vraiment jouer agressif, tu vois. C'est toi qui attaques. Du coup, les bleus, tu les laisses un peu faire leur truc. Et tu occupes surtout des blancs. Ouais, et surtout lui, là. Il en reste un. Et même deux. Et il est où le deuxième? Attendez les gars, dégagez un peu la place, le passage. Voilà. Il y en a plein de blancs. Là je suis en train de viser vraiment que les blancs. Ça me semble plutôt marcher pas mal en fait. Hein. Ouh putain, il y en a un qui apparaît là. Ça a rigolé, je crois que ça marche bien. Putain, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'en ai marre. J'aime pas quand ça me fait ça. En fait, c'est quand je commence à bouger trop de tous les sens. J'arrive pas à analyser la situation. Et le jeu ne pardonne pas à ce niveau-là, quoi. Putain! 5000. Oh putain, j'ai fait 5000, je suis content. Ah, j'ai pas débloqué un... D'accord, il me faut 6 étoiles pour le débloquer. Donc si tu crois t'en débarrasser comme ça, non. Taïda. Par contre, il n'y a pas beaucoup de niveaux arcade. En mode versus, par contre, il y a beaucoup plus de niveaux. Alors si je fais du 2 contre 2... J'ai jamais fait du 2 contre 2. Calmos les mecs quoi. Voilà. Mais ça c'est dur pour jouer à 4 joueurs quoi. Mais il arrête pas de mourir l'ordi. Qu'est-ce que je fasse avec l'ordi le plus pourri au monde, quoi. J'ai gagné quand même, mais bon. Je me prends les deux. Ah ah. Ah, c'est moi qui fais des emotes. Lol. C'est excellent une carte, la deuxième. Voilà, en fait, c'est les mêmes cartes qu'en mode solo, enfin en mode 1v1, sauf que tu joues avec un ordi, quoi. Voilà, dans ta gueule. C'est plus facile parce que comme il y a l'autre ordinateur qui les occupe, ok.
J'ai quand même failli nous faire perdre. Hein. Je nous ai fait perdre. Je pense pas qu'il va gagner l'ordi. T'es à 5 balles? Au lieu de chercher la balle rouge. 2-2. Voilà, on va essayer de pas trop faire le con du coup. Ah oh, putain, l'ordi est mort. C'était sûr. Mais bon, voilà. C'est ce fameux Invertus. Alors, j'ai rien d'autre à vous montrer sur le jeu. Il est vraiment simple, en fait. Il y a vraiment que ça. Donc, c'est un petit jeu... Je sais plus à combien il est sur le store. Mais quand il est en promo comme ça, pas trop cher, je pense que ça peut être un jeu sympa pour faire quelques duels comme ça de temps en temps. En plus, il occupe pas beaucoup de place sur votre Nintendo Switch. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku. Et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, ciao!